reine de beauté, comédienne, animatrice et influenceuse. Rachel Legrain Trapani a plus d'une corde à son arc. Mais l'activité qui lui prend le plus d'énergie, si y est-il sans doute son rôle de maman. L'ancienne Miss France 2007, Miss Picardie 2006, a effectivement eu deux garçons de deux pères différents. Elle a accueilli son aîné, Gianni, il y a 8 ans, avec le footballeur Aurélien Capou. Andrea, son petit dernier, fruit de sa relation avec Valentin Léonard, a rejoint cette jolie famille recomposée en juillet 2020. Pour autant, elle l'avoue sans détour, la jeune femme a vécu des grossesses radicalement différentes. L'accouchement s'est très mal passé la première. J'avais peur de tout, se souvient Rachel Legrain Trapani auprès de Pure People. Donc je faisais très peu d'activités sportives. J'ai pris énormément de poids, j'ai pris 30 kg. L'accouchement s'est très mal passé. J'ai eu un accouchement en urgence. J'ai été hospitalisé 3 mois après parce que j'ai eu des graves problèmes de dos. Andrea, c'était complètement différent. J'étais dans un mood plus tranquille. Je pense que j'étais beaucoup plus zen donc j'avais un enfant beaucoup plus zen. J'avais envie de frites et de kebab quand elle était enceinte, Rachel Legrain Trapani avait une règle, ne pas se restreindre en termes d'envie. Est-ce ce qui a donné lieu à quelques scènes loufoques, et a laissé la porte ouverte à ces quelques kilos rapidement disparus. J'avais envie de frites et de kebab, raconte-t-elle avec malice. Et de piment aussi. Je mettais du tabasco de partout. Quand j'étais enceinte de Gianni, je disais à mon ex-mari « Bonne écoute, je vais faire les courses. » Je faisais quelques petites courses et je m'arrêtais au KFC, je prenais le gros bucket comme ça, j'ouvrais les portes de la voiture pour pas que ça sente le KFC, je mangeais, je jetais tout et je revenais vers 15h30. Et là je disais bon, si est-il l'heure du goûter et je me faisais des tartines au Nutella. Quand l'appétit va, tout va. Propos recueillis par Johan Turi. Toute production interdite sans la mention de Pure People. Comme.